التكبير ثم التكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من نصر ما يمكن فلا نصر ما يغف فلي كم غف سني دنيا فلي كم بي فلي كم فلا كركران كبه أجل خلقها فلي ما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Senang kita ka bika program gaya la kuma iba kala machugo ya mna ange anga para fosi bika ni madaboni kona alia wala donc amena tane program inshallah kuna kala ban ko fe si sa amena kuma di anga representa ma di la tane para afo ai ka representa inshallah wala ka representa mi di mon mabi wala donc amena kuma dali ma libe la tane ka ko fe Amina Kumadi Ambarma Mamou Bala Milakana. Voilà, c'est le frère Mahmoud Issegou, Inch'Allah. Voilà, Ambaraka Nyongi, parce que Yambe Bani Baraka Nami Dilseka Kalangi, Inch'Allah, Fana Fulikanama. Voilà, nous avons Amina Réunion Bani, il y a des règles aussi, Amina Réunion Bani, puisque Réunion ni Wadibilité, Wadibilité Kalabe Foko, Krabo Fali Bokuma, Wadibilité Kalabe Bokuma, Amazi Kalabe. Voilà, maintenant que vous voyez que vous pouvez vous faire un peu de temps, il y a des règles, Inch'Allah, nous faisons un peu. Voilà, quoi faire? Amina Tarani, en tant que méthode, c'est-à-dire que ta réunion Kumba, Inch'Allah, vous voulez que méthode pour la créer, peut-être Milan Kaïba, que la Madone, puisque j'ai été là-bas pour présenter, mais à tout m'a présenté, où on va y aller là-bas. Voilà, maintenant, comment vous mettez le look là? Inch'Allah. Pourquoi faire? Mis le niveau 2 et 3, niveau 2 et 3. Voilà, donc au programme quoi il faut là, au calme fana là. Voilà, donc au campagne là, au pays là, Inch'Allah. Donc, quoi faire? 3 semaines, il y a des calambres, comme il va faire le bâtiment maintenant. Voilà, entre 3 semaines et 4 semaines. Au bras, il y en a des amas, 3 semaines, on va gagner. Voilà, donc moi et Dumia, on va décider de l'État. Enfin, à ça, c'est fana, Inch'Allah. Donc, au réveil pour la mika sa itu pasti mereka akan ini kondisi yang lebih insyaallah anda nasib fana mah no pernah fana ibu dua ratus empat puluh buat setiap mua kau mesti baca lemak cukup ya mina wala dong kau nafam bala abis tak baram luke amno wilayah itu fana pisku ibu baca lemak apa kau aku kondisi yang ti angkat dem sengkalan nak apa kau kesi dari bang buruan luar blok kau nak oke solma se dua ratus empat puluh mah abis tak baram luke insyaallah amno luke fana wilayah itu Nous pendant 600 ans, nous de la nouvelle génération. Nouvelle génération, qu'est-ce que cela veut dire? On a monde des bases faibles. On a des influences qui sont On a des influences qui sont En tant que sortie de terre, on va appeler grand puissant de la langue, pas comme fort, réunion. Voilà, cette année, Inch'Allah, en tant que sortie avec les enfants. Donc, au coup, quand on a un retour, on a un la somme. Voilà, donc le dernier point, c'est divers ou comme on a d'ailleurs, numéro de flac à suggestion de l'hiver, qualité de l'hiver, Inch'Allah. Voilà, donc, on met la mort. Donc, ce sont les 9 points que nous allons traiter aujourd'hui. Voilà, si ça s'engage à faire un peu de dunyama, on va parler des règles. Règles follow pour cette réunion que tout le monde a droit à la parole. Voilà, comment c'est que mon opinion, tout le monde a droit à la parole, mais c'est pas pour la oui, car lui va faire confort, puisque nous sommes là pour accueillir les idées, les suggestions. Voilà, donc comment d'arrêter de payer, mais c'est pas pour moi. Voilà, nous devons faire comment que là. Voilà, donc pour moi, là, on a un gars, il a travaillé pourquoi, puisque nous sommes pris par le temps, à la canne à pour moi, j'ai un trou, et il y a un essentiel sans trop retard. Maintenant, mieux pour moi, tu as priorité, monsieur Ibro. Pourquoi priorité, monsieur Ibro? Puisque le candé, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de Voilà, donc ni tu as la mort de mes flacs à pour moi, donc avec monsieur Ibro, moi, avec maman, avec priorité de monsieur Ibro, qui est un peu de temps. Parce que c'est faux, 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 c
Voilà, donc bon, quand je vais commencer à donner mes explications, on va faire ça, mais il faut la loi pour me demander. Voilà, ça on peut faire avec moi. Vous m'arrêtez tout de suite pour que je puisse donner encore plus d'éclaircies. Voilà, donc sans plus tarder, il a commandé Doumiama. Voilà, donc il a donné la parole à Savané. Donc ça n'est Inch'Allah, on va comment passer au représentant des parents. Voilà, il y a quelque chose à dire à ses... Assalamu alaikum. Moi, je me suis mis en français. Bon, en tant que représentant des parents d'élèves, j'ai essayé de convoquer la réunion d'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont absents. On a deux frères qui sont malades. Vraiment, ils demandent votre bénédiction pour les saluer. Salut de Ouattara Daouda. Et il y a un vieux Ghanéen aussi qui a moins vraiment qui se sent très très mal. Donc il a besoin de votre soutien. Je voulais faire aussi un bilan sur les cotisations. Tout d'abord, chaque mois, on est censé de payer 2,50 € pour nos enfants. Bon, il y a eu un moment au niveau des gavardos, dans la zone, il y a eu un peu de retard. Mais je pense qu'on a essayé de trouver une solution à tout ça. Et je voulais présenter les suites de tous les parents ici que cette situation ne va plus se produire. Moi, j'ai décidé personnellement de prendre la situation en main. Après cela, on a décidé de lancer une cotisation de 20 €. Il y a un an de cela. Bon, compte tenu du temps, on n'a pas fait de réunion. Bon, j'ai pu encaisser. Tout d'abord, on avait fait une première cotisation de 20 €. On fait un point ici dans le temps où on a donné 300 € au maître. Après, on a donné 150 € aussi au maître. Après, on s'est rendu. On a fait un calcul de 455 €, 1 765 €. Ça, c'est dans le temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Après encore, on a lancé une deuxième cotisation. Mais par rapport à la deuxième cotisation, je n'ai pas encore fait le point. C'est aujourd'hui que je vais faire le point de la deuxième cotisation. On a lancé une cotisation de 20 €. Il y a eu 23 personnes qui ont payé les 20 €. Donc ça fait 460 € plus les 65 € qui étaient dans le temps dans la caisse. Donc dans la caisse des parents d'élèves, on se retrouve avec 525 € présentement. Donc... après la cotisation de 20 € puis les 65 € restants dans la caisse, on a 65 €. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu des nouveaux qui sont arrivés et il y a des anciens qui se sont retirés. Pourquoi ils sont retirés? Parce qu'ils ne font plus venir les enfants. Bon, moi aussi, je ne les ai plus appelés. J'ai appelé d'autres. Bon, ça crée un peu certaines choses qu'on a laissé tomber. Donc c'est pour dire qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés et il y a des anciens qui sont partis. Bon, en un mot, dans la caisse, il y a 525 € dans la caisse pour les parents d'élèves, que ce soit après Charles Gabard. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Assalamu alaikum. C'est très très important. Voilà, donc, Ayaklama, Fatma est là, il peut confirmer. En Gadimsen, le plus souvent, il se comporte d'une manière. Mais à l'école, c'est une autre manière. C'est-à-dire avec les parents, il y a une certaine peur. Mais à l'école, on vient pour le tester à Kayakram ou à Faïla. Voilà, donc à l'ébro, au cas où c'est sous le béni. Yala, Gadimsen, est-ce qu'il se comporte de la même manière avec moi? C'est-à-dire, nous le voyons à la maison d'une manière, mais nous, quand ses yeux, on croit lui comporter. Sincèrement, je peux dire haut et fort que moi, je n'ai pas ce problème avec ses enfants. Voilà, aucun de ses enfants, même Ameka Bachir Ndafoni, qui a la tête dure, ben, fais mieux qu'on Bachir, le gars qu'on a le Bachir nouveau que l'aimant. Ma forme, parce que maintenant, il a changé de section. Avant, il faisait la section de Brecha, dans la classe qu'on est là. Donc, il y avait des choses qu'on peut régler. Mais maintenant, il est de la section à distance. Là, ça, c'est autre chose. Parce que, différencier mes sessions flanquées, il y a Gavardo, ou ma Brecha, et que je suis en contact avec ses enfants, non seulement mes calanques là, mais à mes commandes, je suis en contact avec mes calanques là. Mais, il y a la distance, c'est un enseignement comme cela. Voilà, donc, je vous fais un peu de temps. Là, moi je parle seulement avec l'enfant, mais à des chemins de nous long, ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. Seulement contacter les manions ou le Koumaï. Voilà, donc pour les deux sessions, que ce soit Brecha ou le Gavardo, je n'ai aucun problème.
avec les enfants. Aucun problème ni bouillette, sincèrement. Yo, tu vas pas faire tout le monde. Voilà, c'est la même chose aussi pour plusieurs enfants. Voilà, nous sommes sera de l'éca. Nous sommes nous. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Voilà, Fatma peut confirmer ça aussi. Voilà, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Au bout de 5 minutes, on commence à voir arriver. Voilà, donc au bout de 5 minutes, voilà, quand on a quoi, c'est seulement. Je me sens un père avec lui. Fiki, nous sommes là, mais le livre Fiki n'est qu'un cadeau, n'est-ce pas? Avec la lare. Nous sommes là, voilà, c'est ce petit livre. Ça, c'est primitif. Voilà, mais quand il commence avec ce livre-là, on va le livre au Kumama tout le labellé. Donc, on va vous confier. Donc, le livre Fiki, nous connaissons tout de suite. Il y a une partie ici qui est seulement italien qu'on n'utilise même pas. Vous voyez, ce sont des petites questions seulement. Qui est Allah, qui est Muhammad, qui est causé le Coran, le mini. On ne touche pas avec les enfants. Non, 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 ça ne m'intéresse même pas. Mais, à mes bonnes nawat, mes deux semaines, ils sont curieux. Moi, je n'ai pas besoin de leur expliquer cela. Là, quand on apprend l'air, on va dire, la travolta, l'être, quoi, c'est quoi. Voilà. Tout ça, c'est pour déterminer la curiosité de l'enfant. Donc, quand les enfants viennent, tout de suite, on va dans. On met Kalanda Mnéa. Ils apprennent la sourate Fatiha, la sourate Nas, la sourate Falak et la sourate Ikhlas. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à mémoire. Donc, on met au Wati Djanke, à deux heures de temps, là. Ils sont là, quand même, quand même, seulement une fois dans le mois. Donc, ils met Sangé avec la sourate Nanim Kala. Donc, la sourate Nanim Kala, le même livre reste dans leurs mains. La partie de. Il y a une partie dans le niveau 2. Mais niveau flanaï, ce livre-là, quand dame à côté n'est non, merci. Nous avons commencé à nous avoir sur notre nain, donc quand dame à côté n'est à l'écam, il a passé Taslima. Salam alaikum wa rahmatullah, à droite et à gauche. Mon papier, mon feuille, au dôme. C'est-à-dire, je fais une feuille, c'est quatre feuilles, aux feuilles, aux mots, au pied de quand je fais un peu pour dire les livres de nous. Donc, avec ma soeur, on va vous la donner. Donc, on va bailler avec le même livre alors que le niveau est en train de changer. Voilà, puisque le livre cher, c'est pas ce que nous voulons. On a la mine, 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 on a la. Donc, nous, quand on fait la mine, on mettra avec la partie du Coran. Mais tout ça, c'est niveau 2. C'est le Wurat Timna, au Coran, il va me dire qu'on a la mine, mais on va dire qu'il y a un Coran qui a le livre là-bas. Donc, ils vont commencer maintenant avec le niveau 2. Il faut qu'attacher Surat Zalzala. Il faut qu'attacher Surat Zalzala. Dans nos Surat Zalzala, en principe, ils ont déjà fini avec le niveau 2. Mais moi, je les appelle toujours niveau 1 au Coran Kosson. Voilà, dans nos Banana, tout de suite, automatiquement, les enfants commencent avec un autre programme qu'on appelle Tahid. Ça, c'est pour Yasmine, par exemple. Mais là, on va pas qu'à d'avance, on s'en. Et Yasmine Taï. Ils vont commencer avec le Tahid. Le Tahid que vous voyez, c'est enseigner l'enfant l'unicité de Dieu. Et c'est très important. Vous voyez. Quand Damna là, on ne parle pas de Dieu, de tout ça, yo, parce que ça ne nous intéresse pas, nous sommes encore des enfants. Voilà, nous n'avons pas besoin de connaître Dieu. Papa donc voilà. Donc avec ce niveau-là, on commence maintenant le Tawhid. Voilà, mais Tawhid mini, à l'ouvre Benafana avec l'esprit des enfants. Sans essayer de mettre trop de paroles compliquées dedans. Voilà, Inch'Allah, nous n'avons pas fini de dire Ajamasi San, elle va nous lire quelques parties, puisque elle est au niveau là. C'est la première de la classe ici, Aleni Mamadou. Voilà, donc dans ce livre-là, les enfants vont apprendre à connaître son Seigneur, Dini Allah Talaï, avec de petites paroles, à connaître la création, la raison de la création, il y a la langue Talaï qui est en tant que Numana, à connaître le shirk, le shirk, à connaître l'adoration. Donc sans plus tarder, dans ce livre-là, les enfants apprendront à connaître Dieu avec les leçons de Tawhid. À la nuit, il y a un peu de temps le livre qu'on a le côté, mais avec le mémorisé. Non, la nuit, il y a un peu de temps, à Matigui, à Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam, à Kornare Nafalo. Au même moment où ils sont en train d'apprendre ce livre-là, les enfants rentrent dans le troisième niveau sans le savoir, celui des plus grands. Voilà, mais il est fourni. Il y a eu Moussou Chamamoro, c'est dans le mémoire.
voilà, ici, ils vont rentrer dans ce livre-là. Mais comment? Toujours en continuant avec le Coran. C'est-à-dire, le niveau, livre follow, n'est-ce pas? Donc ici encore, les enfants vont commencer, ils vont continuer avec le Coran en lisant surat Bayna, surat Al-A'la, si je ne me trompe pas. Voilà, donc au même moment, ils sont en train d'apprendre ce livre-là. Donc en continuant cela, au bien avant le livre, puisque le livre mené, allez-moi Botro, dès qu'ils vont finir ce livre-là, ils n'ont pas fini avec le Coran, on reprend avec un autre livre qu'on appelle maintenant Prigate comme il y avait servi sur Prigare. Prigate comme il y avait servi sur Prigare. Ce livre-là, c'est un peu le même livre de la prière que les Dosso Fatima ont commencé avec le nouveau Dieu. Voilà, mais d'une autre manière. Voilà, mini avec la série les quatre, mais d'une autre manière. Donc l'enfant, mais il dit comment il brille, comme il le faut briller, tu as pour belle au la série d'âme, la cabane, avec Madouni, Ferreta, Foyer, cela sera tout ça, alhamdulillah. Mais celle qui te doit obéir au mot l'omba, puisque Mado au niveau là-bas, ce sont les enfants, on n'a pas tout au wato là. Donc, nous, quand on a livré une dame à 600, en ce moment-là, on va parler des règles de la prière. Voilà. Takbiratu Ihram, position de l'Okan à Kemilou Mangake. Niki Lokiamna, il m'a dit qu'il y a les sans faire. Il y a une position de l'autre, voilà, ou imagine bien. Je suis en train d'aller un peu vite. Il y a un repos qui est bien, ou imagine bien. Donc tout est illustré avec l'écran, ce sera encore plus mieux, là tout le monde peut voir. Ouais. Non, non, pour l'écran, ce sera un peu difficile. Voilà, rien que ta façon de dire, pris par le temps, non. Non, de toute façon, c'est pour montrer rapidement. Il y a un repos qui est position de l'autre, mais l'autre est bien, tout ça. Mais quand on a pressé, il y a un repos qui est bien maintenant. Inch'Allah, aidez évidemment tous les brosseurs au brosseur. Donc, au moment où ils sont en train d'apprendre le Coran, le Coran est là, le Coran est là, c'est-à-dire le programme est bien à faire, le Coran est là. Mais il y a un signe où on a le Coran est là avec la phonétique. Le Coran est là avec la phonétique. Avec la phonétique, il y a un flamand, il y a un italien, il y a un italien, il y a un phonétique. Voilà, mais je dis aux enfants dès le départ, le Coran est féminin. Corona kalankoumima obé kalan arabukane la. Corona kalankoumima phonétique à tebe. Donc ça pour vous dire un peu que Ameta Femme Kenye, le mafla tchouyamina, corona kalankoumima à te, c'est qu'à kenye phonétique. Corona kalané arabouli. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pensé à cela. Donc au moment de l'enfant en train d'apprendre la prière, nous n'en avons pas au niveau là, au bina de Dufrubarasani, qu'on appelle maintenant Imparo Alegre Arabo. Pas à parler de l'arabe, on est de l'arabe, on est de l'arabe. Voilà, mais à lire l'arabe, ça on peut le faire. Voilà, au Sébagné. Donc, on livre le ça le livre de l'arabe. Voilà, donc Fatima Louta livre, Fatima Kaprona, livre arabe, quand elle a livre le pour pouvoir lire l'arabe, elle mini, c'est pas la même chose. Au Louta, puisque aussi tu auras probablement donné, quand on a fait un fanat arabe, il y a un mami, ils avaient des examens à préparer, tout ça. Donc il fallait pas compliquer la situation. Il fallait trouver une solution. Donc on a fait avec des couleurs, comme avec les cahiers qu'on a trouvé maintenant. C'est-à-dire toutes les lettres qui sont fata en noir, les kasra en rouge, les dama en bleu, sukun en rose, les voyelles qu'on doit allonger en orange, etc. etc. Puisque Rabou de Tagbele a rentré dans l'oreille, il faut affirmer le bébé là. Voilà, donc pour faciliter la tâche à ces enfants-là, Nabi Fatma Louta générationnellement, il fallait créer cela avec des couleurs. Là, un amma très positionnant directement, au moins en regardant la couleur, avant le nom, attention, mini, sac d'oreille, ni casserali. Voilà, donc on revient au tout là. Mais à ces enfants-là, Mia Djaloumié, puisqu'ils ont commencé très tôt, à 7 ans, 8 ans, 6 ans pour certains. Donc, nous devons faire un système qui est maintenable. Mais il fallait trouver un autre système. Donc, le système où il y a la là, comme vous pouvez voir ici, il y a l'alphabet, non seulement les couleurs, il n'y en a plus. C'est-à-dire les couleurs, les voyelles, les thé et tout. Donc, ça reste les mêmes choses. À Dame Lafleur, donc on commence déjà pour dire que ça, nibin kalanko a alors que on fera be kalanko a na yokuma danna la na yokuma chema wule na be to be kalanko au départ donc nous laissons au inshallah doucement
Canada, sans le voyelle folle là, Fata, donc vous voyez, il y a les lettres ici isolées, da, rasa, ce sont les lettres isolées, et ici il y a les lettres, agencées. Voilà, donc isolé en haut, agencé en bas. Isolé en haut, agencé en bas. Là, comme ça, l'enfant, à bas, l'on a fait quoi, mini. Rain Béanié, à Djanilé. Mais comment elle va rester sur la banane, donc à Biketa. Nous espérons que sur les mêmes enfants quoi, que j'enseigne. Parce que nous avons fait des choses qui sont très importantes. Pourquoi? Quand j'enseigne les Fatima, là, les lettres d'Amna, au départ c'était un peu compliqué pour eux, malgré avec la couleur. Donc, puisque au calibre d'Amna, là, il ne sait pas d'Amna, voilà. Au calibre d'Amna, là, il y a ça. Ça, c'est déjà au début de la parole, tu vois, du livre, mini. Ça dit, avec d'Amna, tu vois, tout. Nous devons aller au départ de Fatayro là. Donc, on a le mot d'Okala. On a le mot d'Okala, vraiment qui a changé de calligraphie. Donc, DMC avait mon cœur. Mais c'est quoi, mais là, quoi faire? Pour mettre ça, quoi faire? Quand on fait la douce, on a nièvre. Vous voyez? Donc, moi, j'ai vu que vraiment, il y avait un problème. Malgré tout le monde dit que le livre était bon, mais j'ai vu que dans l'enseignement, il y avait un problème. Il fallait trouver une solution. Pour, pas pour changer ce livre, puisque Luka Dam Nakaba, mais pour la nouvelle génération qui va venir, il fallait trouver ce. Il fallait changer de système. Donc voilà pourquoi on a changé le système Kaduna en mettant en haut les lettres isolées. Vous voyez, Aïni Mini ou Aïni Kelin Beni, Nimbe Ra Fa A. Donc Nakaduna, quand les lettres sont agencées, ça devient Ra Fa A. Donc au lieu de retourner derrière pour aller voir, et puis quand il y a Paji Fanaka. Donc voilà, démarre comme ah, donc mini ou le clani. Donc en regardant cela, sans ouvrir pas une page là, de y aller, à mes bords là, ou à tes michards là, d'une avec ma soeur, transformation. Il y a des enfants aussi, ils aiment tellement la facilité que souvent ils se trouvent leur solution. Et moi je dois veiller à ce malgré un livre Nobel avec toutes ses couleurs, toutes ses facilités. Mais il y a d'autres systèmes encore que j'ai créés pour rendre encore la chose plus facile. Voilà, donc je vais vous montrer quelque chose. Les enfants, au moins ils sont en train d'apprendre à lire l'arabe. Je suis en train de parler des enfants de niveau 3. Ils ont des vidéos. Ils ont les vidéos que je les envoie sur WhatsApp. Il y a les audios que je les envoie sur WhatsApp. Ça nous a dit que nous avons 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 dit que notre fils Bachiro. C'est que nous avons dit parce que tout est préparé. Tout est préparé pour rendre la chose plus facile. Alhamdulillah. Mais au tel là, on ne va pas essayer d'améliorer. On va améliorer. Mais moi, je fais de sorte que l'enfant ne se tient pas trop à moi pour dire tant que les yeux m'ont dit ce qu'il y a à la tête. Vous le voyez ici. Fatina. Ko kapachinkwe wathiko ko kapasei rasiya ko kapasete wajila ko kapaoto khajila ko kapanove rahima ko kapadichi dahika ko kapa undichi sakhira ko kapa dodichi sakhito ko kapa tredichi qadima ko kapa quattordici nadima ko kapa quindici hazira. Voilà comment il va la trouver maintenant il vient de la katra demsema pour que abska kalanga ere. On peut l'air de les passer là sur Facebook. Combien d'heures? On peut pas imaginer. Si tu as le temps de rester sur Facebook pour faire des heures et des heures, prends seulement 5 minutes. Écoute ça deux fois, trois fois et 5 minutes chaque jour. C'est sûr et certain que tu vas apprendre. N'éclate de sorte que l'enfant seul, non, c'est pas qu'on donne belle, avec ce café, mais malgré cela, voilà pourquoi je me suis un peu fâché contre elle, parce qu'il n'y avait plus d'arguments. Je pouvais comprendre qu'au moment certains enfants apprenaient l'alphabet arabe, ces gens de trucs n'étaient pas encore prêts. Fatima Marc à la Néo. Vers ou non?
na ti o mai mandato e ko lu be fanga kala watima ni makay sa le watima to bolu kala na j'étais en train d'essayer de voir des idées pour toujours rendre la chose encore facile, mais je vais te dire que même avec ça encore je dois crier encore Siri, mais c'est pas grave, on va toujours trouver des solutions inchallah ta ko no yoma. Donc on va retourner maintenant au niveau 1 et ils vont apprendre inchallah à lire l'arabe. Ils vont commencer à lire l'arabe. Faut qu'on assez niveau 9. Vers la fin, si vous voyez ici, ce sont les hadiths et les versets coraniques. Pourquoi? À Chambé, ce sont les versets. Ça veut dire qu'on a ayado il est au camion là là-bas. Anga la dîner mié, nous avons que madame la tue maintenant que ces enfants-là puissent lire le Coran en arabe, mais pas en phonétique. Le ça. Avec THA. Mais tu vas montrer ça à un enfant ici en Italie. Parce que il va l'ita. Ça c'est clair et certain. Voilà. Donc ce sont des trucs comme cela que moi j'ai essayé d'enlever, de corriger. Dans les enfants, ils vont apprendre cela. Où le professeur, la finalité, c'est ça. C'est ça. Coran Tajwid. Ni Allah Ta'ala ka demse kon korobaya amuro. C'est un niveau néa. Ce serait plus moi à les enseigner, ça c'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que nous voyons là, nous verrons cela rabouka clana ou réka ban. On va trouver quelqu'un pour les enseigner le vrai tajwid. Mieux qu'on a clan tout le monde. Et ça, ce ne serait pas moi, parce que moi je ne suis pas de ceux-là. Chacun ses limites. Les cas limités, mieux. N'inga basanga limite là, je vais dire aux parents, amena non la soirée à quoi, Inch'Allah, quand vous êtes d'accord. Vraiment, votre fille a déjà ce niveau de peut-être que vous avez déjà fait le cas de la classe. Voilà, puisqu'elle doit progresser, donc trouvons un enseignant qui nous mette la chose de manière progressive. Donc, ni au Wato Kanassé, on aura un autre sens ici. Peut-être moi j'aurai le temps de m'occuper des autres enfants, mais donc, ce sera leur enseignant en ce moment. Et Inch'Allah, alors, salam alaikum. Amen. Avec le troisième point rapidement, le point qui était plus long en Olikani, ça a mis une augmente au Kachadoni. Attends, nous venons d'avoir fait Inch'Allah ou le Katiri. Voilà, l'explication est Katiri. Voilà, le troisième point, c'est l'Iveli, doué et très noir du programme. Les niveaux 2 et 3, quels sont les nouveaux programmes? Alors, les enfants que vous voyez, quand ils viennent ici, ou bien quand moi je vais à Gavardo, on a seulement 2 heures du temps. Mais nous, Benenéa, on a 2 heures. Et on fait tout pour respecter les 2 heures. Voilà, quand je dis 17 heures, on est calamaban, mais on finit, mais on reprend la blague. Voilà, nous, nous réfléchissons ici, Baroké, donc on est en gros. Pour moi, c'est très important. Baroké, là, il est au bord et Kadjan. Maintenant, venez à me faire un peu de temps, on va vous accompagner, on va vous maintenir. Pendant plusieurs heures, c'est pas bon. À Flana Fana, ça leur donne encore plus de courage. Nous, quand nous avons vu que nous avons commencé la programme, voilà. Ni Europa, il y a un état de l'homme. J'essaie de voir ni quoi de bénéfices que nous éliminer pour que Amé Belle finisse. Maintenant, au niveau des Gavardo, les plus petits, Mio et Douma, Fikini, j'ai fait 1 heure avec eux et Corobani, 1h30 mots que nous louons, 1h15 mots que nous louons, et puis on finit. Voilà, donc puisque nous avons eu à créer le cours au téléphone, mais car quand un téléphone, voilà, au idée il n'a en garde même 5 minutes de rodjan, ni car mal au bout là, mal au bout que tu veux, non, nous idée oublié, mais à la fin il n'a eu puisque on a fait à bout, donc garde même 5 minutes. Ben vraiment quand on a commencé cela, ça propulsait encore l'enseignement. Voilà, donc mes bateaux, amenons sur le carreau plusieurs fois, on se retrouvait seulement une seule fois. Donc on a pensé alors de mettre d'autres programmes dedans pour pouvoir toujours augmenter la connaissance des enfants. Voilà, mais comment? Il y a l'anango kalantou de la même manière que là en disant anyakuma dana la modine kanga kalan sagesse là. Il faut les apprendre la sagesse. Donc, comment il le fait? Il faut trouver des moyens pour pouvoir donner cette sagesse aux enfants. Dans le programme de anga kalan kono mi fengayi les enseigner mais en jouant. Au kalan c'est quoi? C'est de les enseigner en jouant. Au jeu, au final, c'est fait. Il y a des vainqueurs qui vont souvent avec 5 euros à la maison. Voilà, donc au fin et bien. Voilà, même aux vidéos de la salle, la fois de Nanga, donc j'ai dit à Karine de filmer pour que ni en gagnant la soirée, je vais vous montrer. Donc maintenant, aux vidéos de la salle, Inch'Allah, je vais vous montrer.
Voilà, ça c'était un jour de l'enseignement avec le jeu cuisse. Vous voyez, il y a la question et puis il y a la réponse. Les enfants doivent répondre. Bon, quelqu'un peut se demander, mais puisque c'est un jeu, les enfants ils répondent comment? Voilà, donc on a créé cela au fin de venir. Puisqu'il y a réponse A, B, C et D, donc l'enfant il a ça en main, il va au bureau, réponse il va comment? Il y a les réponses dedans. Voilà, puisque c'est un concours, il peut pas tricher. Parce que si tu dis qu'il t'a réponse, il la donne, là, on pourrait lui dire d'attendre 5 euros. Donc je n'ai pas à contrôler quelqu'un. Parce que même lui avec 5 euros. Il y a des questions dedans. L'ingal doit y aller. Peut-être que nous avons un mazi ou un ingal de tout, un ingal de classique, on n'aura pas le temps. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On écrit ce jeu-là, un peu de playmaker, voilà, pour que ensemble les enfants apprennent. Pourquoi ce jeu-là est très important? Avant de créer cela, j'avais essayé de faire un programme pour pouvoir les lire ces choses-là. Mais je vous jure, l'homme n'a pas l'air de me dire que c'est pas grave de ce jour-là. Mais si moi je vais vous lire des trucs, non? Masse qu'en fouille maçon. Bangabo. Masse qu'en fouille maçon. Au bébé mangana. Hey, idea, hey, idea. Mais quand j'ai fait cela, puisque vous rêvez, non, c'est la première, il vous bégro calme. Ce jeu-là, les enfants, ils apprennent des trucs. Donc, au fait, on a encore un autre enseignement qu'on appelle aussi l'histoire des prophètes. L'histoire des prophètes, ce sont des vidéos que j'ai créées aussi. À publier bien la page YouTube. Mais souvent, on le fait en classe. Pourquoi? Parce que c'est important. À chaque histoire, il y a une leçon de morale qui vient. À chaque histoire, ce n'est pas seulement l'histoire qui nous importe. Voilà, mais on prend cette histoire-là pour faire ressortir des leçons de morale. Par exemple, la fois dernière, par exemple, la méchanceté qui peut se passer entre des frères, Badimé et Kadjouya. Quelle histoire vient en tête? C'est l'histoire de Caïn et Abel. Voilà, donc je fais passer l'histoire, et après cela, il y a des leçons de morale qui viennent pour dire entre vous les frères, aimez-vous, aïnketa. Voilà, donc aux histoires, c'est au bas. Donc on va voir ça, c'est 5 minutes à terminer, quoi. C'est seulement 5 minutes, on va regarder. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were honored. Quanto successo ad Adam ed Eva non era che una dimostrazione della differenza di natura tra gli angeli che sono al di sopra di ogni peccato e l'uomo che può sbagliare ma è responsabile dei suoi azioni. E l'uomo ha la capacità di sapere tra il bene e il male usando la mente e il cuore. La storia di Adam nel Corano non mirava a dimostrare la sua colpevolezza, come è scritto nella Bibbia e nel Vangelo, ma mirava soprattutto a spiegare la natura umana terrestre. Secondo il Corano, popolare la terra da Adam e Eva era già programmato, e così anche la loro disobbedienza. Questo racconto religioso è solo una conferma della natura dell'essere umano con le sue debolezze che lo rendono una preda facile alle tentazioni del diavolo se non viene sostenuto dalla grande forza di volontà e soprattutto di fede in Allah. Adam ed Eva ebbero un gran numero di figli. Eva rimase incinta più volte e ad ogni parto nascevano due gemelli, un maschio e una femmina. La femmina veniva data in moglie al figlio maschio nato dal parto precedente perché
La legge divina rivelata ad Adam non permetteva il matrimonio della coppia gemella. Adam decise che la sorella gemella di Caino sarebbe andata in moglie ad Abele. Caino non fu contento di questa decisione perché ne era innamorato e avrebbe voluto sposarla lui. Adam, venuto a conoscenza di questo fatto, mandò i due figli ad offrire un sacrificio al Signore. Colui il suo sacrificio fosse stato accettato dal Signore, poteva sposare la fanciulla. Adam aveva insegnato un mestiere a ciascuno dei figli. Abele faceva il pastore, mentre Caino faceva il contadino. I due figli portarono nel luogo del sacrificio le loro offerte. Abele portò la pecora più pregiata del suo gregge, mentre Caino portò un pugno di spie, le peggiori che aveva. Sistemate le offerte, un fuoco discese dal cielo e divorò l'offerta di Abele, lasciando quella di Caino. Il quale minacciò di morte il fratello. Abele gli rispose: Allah accetta solo da chi lo teme. Un giorno, mentre Abele dormiva, Caino si avvicinò e lo colpì sulla testa con una grossa pietra, uccidendolo. Avec cette histoire-là, les enfants regardent, ils apprennent l'histoire, non seulement l'histoire des prophètes, l'histoire de l'islam, mais en plus, il y a des leçons de morale.